Bonjour tout le monde, bonjour mes chers cancers. Alors, c'est Nathie, mes chéris. Donc, là, ici, ça va être la guidance du 11, non, n'importe quoi, du 18 au 24. Hein. Ça passe vite, hein, mes chéris. Alors, j'espère que tout le monde va bien, mes amours. Donc, je vous offre ces fleurs, mais surtout ces belles couleurs de la gaieté, de la joie, de la bonne humeur. Voilà. Alors, je pousse, j'ai besoin de place. Je pousse également. Vous pouvez revenir sur la vidéo pour le mail, mais je crois que vous le voyez ici. Ok. Alors, donc Natalia, 16 000 natis@gmail.com. Voilà. C'est vrai que les N, je sais pas, là, c'est un peu juste, mais on le voit quand même. Hein. Alors, mes chéris, mes cancers, on va regarder immédiatement. Qu'est-ce qu'on a? Avant tout, je voulais vous remercier. Pour vos commentaires, pour vos messages, pour les personnes que j'ai eues en consultation téléphonique, pour des guidances privées, pour les personnes dont j'ai effectué les soins, j'ai de bons retours, je suis contente pour vous, je veux dire. Et merci également pour les personnes qui vont s'abonner à droite, vous avez la petite cloche qui indique quand il y a une ou des nouvelles vidéos de poster. Alors, on va regarder immédiatement. Alors, c'est possible que certains et certaines, vous allez voir votre papa ou votre grand-père, d'accord? Peut-être qu'il y a des inquiétudes pour votre papa ou votre grand-père. Ça, c'est possible. Ou à l'inverse, que votre papa ou votre papy s'inquiète pour vous. Après, ça peut être un grand frère aussi, hein? Quand même, hein? Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau, de jus d'orange. J'ai les deux. D'accord. Pour d'autres, en fait, si vous voulez, on est en plein éveil spirituel. Ça ne parlera pas à tout le monde, mes amours. On est en plein éveil spirituel. On ne se sent pas très bien. Parce qu'il y a un chamboulement. Mais c'est l'univers hein, qui le veut. Hein. Et en fait, si vous voulez plus exactement, ici, on a la lune. Donc, la pleine lune du 16, ça va vous travailler. Donc, peut-être qu'il y aura de l'anxiété, de la nervosité. Mais c'est voulu. C'est parce que ça, vous avez emmagasiné pendant, peu importe, hein, depuis une semaine, 3 semaines, 1 mois. Bon, bref. En fait, si vous voulez, c'est des énergies négatives qui sont emmagasinées à l'intérieur de vous. Et en fait, la lune, elle va vous guérir, elle va sortir tout ça. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez nerveux, nerveuse, souvent, d'accord? Juste avant, des fois, la pleine lune ou pendant. Hein, et des fois, certains ont aussi un petit peu après, mais ça va mieux, hein, c'est clair. Allez, on va regarder surtout avant et après. Hein, enfin, pendant, je veux dire. Ok, je voudrais encore deux. Pour d'autres, en fait, il y a des conflits. Il y a des conflits. Il y a des conflits avec les autres, des conflits avec vous-même, mais on vous dit arrêtez les conflits, sortez de ce genre d'énergie, d'accord? Et ça ira. Pour d'autres, en fait, ici, la justice va statuer en votre faveur, certains et certaines, et d'autres, c'est l'écroulement total, là. Je ne sais pas ce qui se passe, écoutez, parce que là, c'est une guidance générale. Pour certains, c'est en votre faveur. Pour d'autres, là, ce n'est pas du tout en votre faveur. Hein. Alors, sinon, ici. Ici, il y en a que ça se passe mal au travail. Hein. Ici, il y a le retour aussi. Certains et certaines, vous étiez à l'arrêt. Il y a le retour au travail et ça vous agace, vous n'allez pas bien. Et d'autres, en fait, si vous voulez, il y a le retour du travail dans votre vie. Ça veut dire que vous étiez à la recherche d'emploi et là, vous allez trouver un emploi, d'accord? Bien que. Il y a des petites gênes ou des obstacles à dépasser, à surmonter, c'est possible. Hein. Ah, elle n'était pas fermée. J'ai fermé la fenêtre, j'entendais trop les voitures. Et aujourd'hui, les gens, je crois qu'ils partent déjà en week-end. Hein. Certains, ils ont dû prendre leur jeudi, vendredi, vous voyez. Alors,
Ici, c'est clair que c'est clair qu'ici, il y a un retour au niveau de l'emploi. Hein. Ça, c'est clair. Pour d'autres aussi, en fait, si vous voulez, là, l'univers, il vous travaille hein, avec les astres, d'accord, les éléments et tout, la lune, tout, il n'y a pas de souci, ça, avec les planètes. Et en fait, c'est un tout, hein, forcément. Et l'univers vous travaille, d'accord. Et en fait, si vous voulez, il vous enlève ce mal-être. Vous êtes vraiment en éveil spirituel, certains et certaines. Je le vois ici. Hein. Pour d'autres, vous faites un travail extraordinaire pour débloquer les choses à l'intérieur de vous, pour guérir, d'accord. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, je vais boire de l'eau. Ici aussi, également, j'ai le retour d'un ex ou d'une ex, d'accord? Pour d'autres, ici, j'ai des dames qui vont accoucher, hein, hein, c'est clair. Vous accouchez. Pour d'autres, vous apprenez que vous êtes enceinte et d'autres, non, pas du tout. Vous pensiez, mais non. Donc, ici, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, en fait, il y a vraiment quelque chose au niveau du travail, quelque chose de naissant, un retour, mais ce retour, en fait, il y a un mieux-être, voyez, il y a quelque chose de nouveau, de naissant qui va naître, mais de très positif, hein, vous allez vers la paix, la tranquillité, l'équilibre, vous voyez, un rééquilibrage. Ça va vous faire du bien. Bon, ici, certains et certaines, il y a le bouclier, donc vous êtes protégés, d'autres, vous vous protégez au travail, hein, d'accord, par rapport à l'emploi, d'autres, c'est par rapport à l'amour. Ok, ça veut beaucoup parler. On a besoin de communiquer justement. Qu'est-ce qu'on avait? On a besoin de communiquer, mais là j'en ai trop. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Parole, communication, sexualité, on reprend. D'accord. Alors pour certains et certaines, ici, on reprend avec son ex, une ex ou un ex. D'accord. Donc il y a sexualité, on va discuter ensemble, on va se voir. Donc voilà. On reprend et d'autres non. Là, vous vous protégez et vous vous dites, il faut pas que je tombe dans le piège. Et d'autres, ouais, ben, il y a vraiment le retour d'une ex ou d'un ex, d'accord? Et pour d'autres, il y a le retour du travail. Ou attention, il y a le retour d'une situation que vous avez déjà connue qui est désagréable, là par contre, et c'est un répétita, c'est répétitif, c'est des schémas répétitifs, d'accord? Encore une, deux, 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 deux. Ok. Alors ici, on s'offre des cadeaux aussi. On est aussi dans l'amitié, le partage, l'amour. Ça peut être aussi, je dis amitié, parce qu'il y a écrit amitié, oui, forcément, mais ça peut être aussi, vous voyez, avec la famille, voilà. On s'offre des cadeaux ou on nous offre un cadeau. Et d'autres, en fait, si vous voulez, au niveau de l'amitié, on va revoir, il y a le boomerang, on va revoir des gens, en tout cas, amitié ou famille, des gens qu'on n'avait pas vus depuis un certain moment, d'accord? Et bah, vous le prenez comme un cadeau, vous êtes heureux, heureuse, ça va bien se passer, c'est la joie. Pour d'autres, il y a un rendez-vous, d'accord? Il y a un rendez-vous, il y a une sortie. Ici, on sort, il y a le divertissement ici qui ressort. Et pour d'autres, il y aura des enfants, on revoit peut-être ses cousins, ses nièces, ses petits-enfants. Vous voyez, ici, il y a vraiment de belles, de beaux moments ici, hein, d'accord, de partage. Et forcément, en plus, il y a les fêtes de Pâques pour vous qui allez inviter ou vous allez être invité. Ben forcément, vous allez revoir votre famille ou même des amis, hein, d'accord? Et ça va bien se passer, hein, toujours est-il. Je vais prendre celle-ci. Il y a vraiment un ex ou une ex, hein, qui revient dans votre vie et là, vous réfléchissez un petit peu à votre histoire, à vous deux, et vous vous dites, est-ce que je reprends? Non. Pour d'autres, vous êtes, il y a un premier rendez-vous, il y a un coup de foudre, d'accord?
Et d'autres, en fait, le coup de foudre, enfin, c'est pas un coup de foudre. Pour d'autres, en fait, justement, vous reprenez avec une ex ou un ex, ou vous allez reprendre avec une ex ou un ex, parce qu'il y a encore des sentiments, vous voyez? Ensuite, il y a un rendez-vous ici, hein. On va se faire beau et belle, hein, mes chéris. Hein. Alors, pour d'autres, vous essayez, vous avez beaucoup de travail et vous essayez de joindre les deux bouts, d'accord? Vous êtes sur plusieurs fronts à la fois et puis d'autres, vous avez du mal financièrement. Hein. D'ailleurs, financièrement, je n'ai pas trop le financier jusqu'à là qui est sorti. Mais sinon, ici, on est dans la réussite. On attire quelqu'un, on émane, on attire la chance aussi, hein, d'accord? Et il y a un vœu qui se réalise ici. Hein. La reine de bâton, elle a ce qu'elle veut. Hein, d'accord. Elle a une cour autour d'elle aussi. Hein. C'est une femme qui attire. Et vous allez dans la gaieté, dans la joie. C'est une femme qui a de la puissance. Hein, d'accord. Elle est forte. Et ici, on est conservateur, conservatrice par rapport à quelque chose dans notre vie ou quelqu'un. Hein, d'accord. On est peut-être dans la jalousie ou un peu dans l'extrême. Vous voyez, possessive, possessif. Donc, faites attention à tout ça. Et sinon, pour d'autres, vous économisez de l'argent, vous mettez de côté comme vous pouvez. D'autres, non. Vous avez du mal à joindre les deux. C'est difficile. C'est difficile ici. Et d'autres, en fait, il y a des problèmes, en fait, si vous voulez financier, parce que c'est mitigé. En fait, un coup, vous voulez mettre de l'argent de côté pendant, on va dire, les 15 jours. Mais surtout, vous y pensez quand vous n'avez pas l'argent, d'accord? Et vous vous dites, oui, j'arrête d'être dépensière, dépensier, dès que j'aurai mon argent, je ne vais pas tout de suite commencer à le dépenser, puis quand l'argent arrive, vous dépensez. Donc, on est un peu lunatique par rapport à l'argent, là. Hein. Donc, on vous demande de faire plus attention, et puis peut-être de commencer à vous dire, bah voilà, je me paye une ligne de conduite par rapport à mes finances, et puis peut-être aussi... voilà, changer un petit peu, quoi, commencer en tout cas, hein. Mais on a du mal, on le voit bien. Alors, ici, bon, certains et certaines, on parle de triangulaire, vous ne prenez que ce qui résonne, hein. Ici, on parle de triangulaire, on parle de rivalité, on parle de cet hiver, ça s'est passé cet hiver. En fait, cette personne, soit vous, soit l'autre, ou soit vous deux, n'est pas disponible, mais vous vous dites que c'est votre âme sœur. Vous êtes persuadé, hein, d'accord? Mais c'est instable, hein, c'est une relation instable, hein, mais vous êtes envoûté, hein, d'accord? Pour d'autres, on parle de grossesse-naissance, et d'autres, on débute une relation. Il y a le début d'une relation, mes chéris. On a rencontré quelqu'un, il y a le coup de foudre... Ou bah, tranquillement, on va apprendre à connaître cette personne, hein, d'accord. Pour d'autres, il y a déménagement, emménagement, projet de vacances, projet peut-être de grossesse, naissance, mes chéris. Toujours est-il, il y a l'équilibre qui revient, d'accord. Pour d'autres, en fait, on se lance dans une nouvelle relation, mes chéris. On va être comme dans ce nid, voilà, les œufs, ils sont au chaud, on va être au chaud. Il y a beaucoup de chaleur qui ressort, de la tendresse, c'est charnel, puissant entre vous, d'accord. C'est bien, c'est bien. Et d'autres, en fait, c'est l'amour, hein, avec un grand A. Peut-être on va vous offrir des fleurs, vous allez offrir des fleurs. En plus j'avais le cadeau tout à l'heure. Ici en fait on se lance, hein, on se lance. Moi pour moi ici ça parle fort d'un début de relation. Alors peut-être vous ne le savez pas encore aujourd'hui, mais c'est ce qui vous attend. Et d'autres, en fait, vous avez démarré cette relation. Et en fait on est vraiment dans la joie, on est bien, c'est fort, c'est charnel, on est attiré, c'est très très puissant. Très puissant, mes chéris. Pour d'autres, on a des peines de cœur parce qu'on est persuadé que cette personne, c'est notre âme sœur, et on a des peines de cœur, on me dit ça, là. Ouais, je viens d'avoir le message. C'est pas évident pour vous, hein. C'est dur, hein, parce que, en fait, cette personne, moi, je pense qu'elle n'est pas disponible, et peut-être que vous aussi, vous ne l'êtes pas. Et pourtant, vous sentez que c'est votre âme sœur. Mm. Bon. Bah écoutez mes chéris, Nati vous dit I love you, elle vous dit bon week-end, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, portez-vous de l'amour, apportez-vous de l'amour, soyez dans l'amour mes chéris et puis sortez un petit peu pour ceux qui, bah, là ça va être le week-end, on est jeudi, ça va être le week-end, sortez un petit peu, faites-vous du bien.
aérez-vous l'esprit, voyez du monde pour certains et certaines. Et voilà, je vous envoie de belles et puissantes énergies, mes chéris. Gros bisous, à bientôt. Bon week-end.